La Tipo SW fait partie des voitures familiales qui vont marquer le marché dès cet automne sur les routes européennes. Avec une ligne dynamique, une grande capacité de rangement, ce break sorti des usines Fiat, nous l'avons testé sur les routes du Luberon. Le résultat plutôt positif démontre que la motorisation adéquate porte la voiture sur une bonne tenue de route. Ici, la version essence améliore les accélérations lors des dépassements ou des démarrages en zone urbaine. L'ordinateur de bord LCD 3 pouces 5 sur la Tipo SW vous sera très utile pour vous déplacer. Son positionnement au centre du tableau de bord offre une vision frontale performante. En option, le radar de recul sur la Tipo est de bon augure pour les manœuvres, surtout si vous transportez du volume. Côté puissance du moteur, en essence, le 1 litre 4 et les 120 chevaux du modèle présenté fait la différence sur route lors d'un dépassement rapide ou sur autoroute. La réactivité du break est visible dans les virages serrés grâce au système Jet et ses 7 chevaux en puissance fiscale. On aurait cependant aimé plus de coffre en amorce des côtes, ce qui oblige à chercher la vitesse inférieure pour compenser l'allure. Néanmoins, en sommet des cols, la Tipo SW a bien régulé son allure par un régime moteur plus discipliné. Avec 1,3 tonne, la voiture reste très stable lors des descentes rapides et conserve un freinage confortable grâce à l'ABS de série. Nous avons laissé la départementale pour tester les amortisseurs télescopiques McPherson sur des chemins de terre. Malgré que la Tipo ne soit pas équipée de 4 roues motrices, la voiture nous a agréablement surpris par sa bonne adhérence sur un terrain poussiéreux qui, à la base, ne lui était pas forcément favorable. Comme nous l'avons dit précédemment, pour obtenir le pack technique doté de la caméra de recul, sur certains modèles, il vous faudra débourser 500 €, mais c'est bien pratique pour les manœuvres délicates. À ce sujet, lors d'un croisement avec une Toyota RAV4 et un Touareg V6, la maniabilité de la Tipo Break s'est confirmée lors d'un passage étroit. Pour ses derniers essais, la Fiat Tipo SW a largement réussi les tests avec une très bonne réception des amortisseurs sur les routes secondaires comportant des accotements difficiles. Dans sa version haut de gamme, son 1 litre 4 turbo 120 chevaux offre une tenue de route confortable dans la gamme des breaks du marché. Son rapport qualité-prix offrira aux usagers une voiture convenable. À partir de 15 500 € pour une essence, il vous en coûtera 24 000 € au maximum pour la Tipo Lounge dans la catégorie SW. A noter son coffre de 550 litres pour les familles ou pour les artisans, entrepreneurs et commerciaux qui en fait le break le mieux noté du marché.